Hey YouTube, j'espère que vous allez bien, comment ça va? Super bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo exceptionnellement originale. Non. Et oui, on va s'ouvrir du duel Devastator. Voilà, tout le monde va sûrement le faire aujourd'hui. Mais voilà, c'est le jour J, c'est la sortie et il fallait absolument que je fasse ça avec vous. Sachant que, hop, j'avais fait la vidéo d'annonce, ça vous avait plu d'ailleurs. Je pense que je continuerai vraiment ce format-là. Je l'avais fait pour les Tinbox Sarcophage Doré, ça vous avait plu. Je l'ai fait pour duel Devastator. Ça vous avait plu, eh bien je pense que je continuerai puisque bah, visiblement ça vous intéresse. Avant de commencer la vidéo, j'ai deux petites choses à vous dire. Comme vous le savez, je vous fais gagner un booster par semaine grâce à mon partenaire Le Coin des Barons. La semaine dernière c'était du Point du Feu, eh bien cette semaine c'est tout simplement un booster, les Sœurs de la Rose, le lien dans la description. Deuxième petite chose, et c'est encore un concours, pour ceux qui ont suivi ma chaîne depuis un petit moment, eh bien j'ai fait la vidéo de présentation chez Le Coin des Barons, la petite miniature juste ici, et dans cette vidéo là on vous parle de Duel Devastator puisque ce n'était pas encore sorti, et on vous a promis de vous en faire gagner un. Eh bien écoutez, dans cette vidéo c'est le cas, je vous donnerai les conditions pour participer à la fin de la vidéo pour passer au plus vite à l'ouverture de cette boîte. Voilà, on a fait le point sur tout ça, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour le concours. Moi ce que je vous dis c'est qu'on passe sur la deuxième caméra, on va aller voir un petit peu cette boîte là, ce qu'elle contient. J'ai beaucoup trop hâte et surtout j'espère avoir de beaux field center puisqu'apparemment ils sont sublimes. Allez c'est parti. Ok, donc la petite boîte elle est juste ici, on a une petite hache qui est juste ici, la nouvelle entrap qui est là. Demoiselle, elle est vraiment belle, hein. C'est les nouveaux artworks, j'espère qu'on pourra, naturellement on va pouvoir tous les voir c'est sûr, j'espère qu'ils seront vraiment beaux. Tac. Alors regarde la boîte, on nous dit quoi? On nous dit que ça contient tous les entraps plus la nouvelle, on en a aperçu, on a 30 cartes pour le deck et le side deck et on a 20 cartes pour l'extra deck et puis bah, le reste n'est pas très très intéressant si on parle des field center. Juste ici, moi ce que je vous propose c'est qu'on ouvre cette boîte là tout simplement. Hop, j'espère qu'on va pas trop galérer. D'ailleurs, je sais pas si vous, enfin, je sais pas si c'est normal, mais la boîte est assez. Le plastique d'abord, d'habitude est très très près, et là, là j'ai l'impression qu'il est un peu lâche. Alors est-ce que c'est, je sais pas, on verra bien. Ok, donc la petite boîte est ouverte, on va pouvoir s'ouvrir ça. On voit ma light qui reflète ici, c'est insane. Roulement de tambour. Ok, alors déjà, ça fait une belle boîte de rangement, honnêtement. Hein. Oh, les cartes sont un peu en vrac. Ok, putain, c'est une grosse boîte pour pas grand chose. Par contre, je pense que je vais essayer de récupérer un max de ça pour ranger mes cartes. Ça a l'air trop pratique, mine de rien. On verra par la suite. Donc ça, on en a pas spécialement besoin. Et là, du coup, à l'intérieur, on a quoi? On a les field center juste ici. Vous savez quoi? Je vais pas me spoil. Je vais pas les regarder. Ok, c'est bon. C'était pour savoir si c'était dans le bon sens. Et on a un paquet de cartes. Voilà, c'est vraiment ce qu'on achète. C'est ce paquet de cartes-là qui contient des cartes extrêmement cool. Et on va aller voir tout ça. J'espère que j'ai juste pas trop galéré à ouvrir ça. Bah si, hein, on est sur une galère totale. What? Mais alors, il y a la technique comme ça. Ok, c'est bon. Très bien. Ok, et bien on a ce beau paquet de cartes. On va aller savoir tout ça tout de suite. Tac, macro, on est beau. Ogre fantôme. Faucheur fantôme. La petite hache. La petite hache, floraison de cendres. Beauté fantôme. Fille fantôme. Plutôt couleur, fille fantôme. Floraison rouge. Qui est la nouvelle entrap. Le petit Kalidor. Brionac. Du métaphysique. Et Horus métaphysique. Dragon rose aile noire. Dragon rapide de l'éclair. Donc ça fait partie des nouvelles cartes. N'hésitez pas à mettre sur pause hein, la vidéo si vous voulez lire certains effets. Normalement, je laisse suffisamment de temps pour que vous ayez le temps de les lire. Trishula, le petit Lumicatrice, hein, j'ai pas parlé juste avant, mais c'est Lumicatrice, Trishula. Dragon Méga Varmillon. Le Résident des Abysses, ça, ça fait très plaisir. Hein. Le 101. Castel, le Mousquetaire, Chasse-Ciel. Dragon Tornade, ça aussi, je vous cache pas que c'est très très cool. L'Underclock. L'âne Forincus, alors en rareté c'est cool parce que je l'avais en commune, donc voilà, en rareté ça fait toujours plaisir. Sabre Gaïa, un décode Talker, un décodeur Bava étendu, et ça c'est pareil, c'est la nouvelle carte. Elle est plus ou moins, alors elle a la même attaque, elle a la même zone, mais elle a un effet supplémentaire qui est pour le coup pas trop mal. Le bombe topologique, ça ça fait plaisir, monsieur, ça fait plaisir, messieurs dames, pardon, messieurs dames. Petit Saryuja des familles qui est là. Le corbeau Dédé, ok, alors ça c'est cool, ça ça va dans beaucoup de sides, mine de rien. Un petit veilleur, d'ailleurs ça fait toujours plaisir. Porte bloqueur, le Denko Seka qui va perdre du coup énormément de sa valeur, enfin du moins elle va être beaucoup moins chère. Pareil pour Border Inspecteur. Annihilateur de magie.
la petite Lancea. Alors, petit fun fact sur la Lancea. Quand je suis arrivé au tournoi dimanche dernier, pardon, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'orcustes et du coup, j'avais pas encore donné ma decklist. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire ma decklist, faut que je la modifie. Et du coup, j'ai rajouté les Lancea au dernier moment. Je vous avais mis une petite photo sur les réseaux sociaux. Démon de la vanité et démon de la majesté. Big up à toi, Benjamin, qui cherchait cette carte-là. Pas Benjamin, Alexandre, pardon. Qui cherchait cette carte-là il y a quelques jours encore dans le groupe de la team. Le petit Pancras, voilà, c'est du side, on est content. Le Gamaciel, big up à toi, Johan, qui voulait cette carte-là en rareté. Le contrôle mental. Le canon ondulatoire pour les decks cancer as fuck. La pire, la super polymérisation. Livre de l'éclipse, cimetière silencieux, le petit cyclone cosmique, ça c'est plutôt cool. Le Colette, voilà, le Colette qui fait plaisir, ça c'est sympa. Le zone de dimension parallèle, oui c'est ça. Le petit typhoon qui s'active de la main, ça c'est cool. Apocryphe interdite, barrière dimensionnelle, le vent perdu, violent orage de poussière, le décret royal. Alors en super rare, toutes les cartes sont super rares, mais en super rare il est super joli. Le petit parfum anti-magie. Il ne peut y en avoir qu'un. Cancer, pareil, dans Trou Draco. C'est insane de prendre ça dans plein de decks en règle générale. Le mouchard électronique. La Solanel et le petit Red Reboot. Voilà, donc ça, c'est toutes les cartes que vous trouverez systématiquement à l'intérieur. Ça nous fait un beau paquet. Ça nous fait plein de cartes. Qu'est-ce qu'on est content d'avoir topé. Enfin, topé, du coup, il n'y a pas de top, mais qu'est-ce qu'on est vraiment content. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. En fait, il y a tellement de cartes. Enfin, là, vraiment, on est sur un paquet où tu trouves ça. Tu trouvais ça encore il y a quelques jours. Tu dis ça, oh, c'est un beau paquet, dis donc, c'est cool. Mais voilà. Mais vous savez quoi, j'ai mon classeur, en fait, qui est juste ici. J'ai pas pensé avant. Mais j'ai mon classeur. Hop, mauvais sens. C'est les tokens de ce côté. Tac. Hop, alors. Regardez, d'ailleurs. J'ai ma partie Toon qui est ici. Voilà, juste ici. Là, hop, je vais sortir un trap de chaque. Ah, c'est de l'autre côté, évidemment. Juste pour comparer les artworks, en fait. J'ai pas de H, puisque H est dans mon deck. Ah, la deck box, c'est là, c'est bon. Deck box, c'est là. Hop. Là. Deck que vous commencez à connaître, puisque je vous en parle. Tout le temps. Donc, la petite hache qui est ici et elle correspond à celle-ci. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve les deux sont mignonnes. Peut-être que sur celui-là, on dirait qu'elle a de plus grands yeux. Je ne me rends pas compte. On dirait que c'est une hache en commune alors que pas du tout. C'est une hache en super. Ouais, on s'en fout. Ok, donc les petites haches. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a la petite beauté fantôme. Alors, pourquoi la beauté fantôme? Je trouve que la nouvelle est bien plus jolie. Hein. Deux ultras, c'est quoi? C'est du Dupo, ouais, c'est ça. Je trouve que celle-là est bien plus jolie. Ensuite, on a la Ghost Ogre. Ah, la nouvelle est jolie, hein. Ah, je sais pas, en fait. Je sais pas trop ce que je préfère. Alors, elle, c'est sûr, je préfère celle-là de ouf. Elle est bien plus jolie. On voit moins la lame, mais elle est bien plus jolie. Et les dernières, malheureusement, je ne les ai pas. Bon, elle, normale, et elle, je ne l'avais pas... Je l'avais pas en TCG avant, donc c'est plutôt cool. Mais voilà, bah écoutez, on a fait un petit tour de tout. On va s'ouvrir ça. Ça me fait chier d'ouvrir du... Ouais, je me suis spoil. Ça me fait chier d'ouvrir du scellé. Mais du coup, on va commencer par là. Mais bon. Alors, comment elle est la rareté? Ok, donc c'est du commune, juste avec le petit bord brillant. Ok, d'accord, ça marche. Ok. D'accord. Ah, c'est, on dirait les designs un peu speed duel. Enfin, c'est totalement ça. Eh bien, on a 4 field center. On a eu 2 filles qui sont plutôt sympas. J'aime beaucoup celui-là, il est assez sympa. Et d'ailleurs, ça passe dans une sleeve, ça? Faites voir pour comparer. Ça passe pas dans une sleeve, ça? Non, ça passe pas dans une sleeve. C'est bien ce qui me semblait. Il va falloir prendre des sleeves type magic, quoi. Voilà, cette petite vidéo d'ouverture est terminée. J'espère que ça vous a plu. Comme promis, je vous en reparle à la fin de la vidéo. On vous fait gagner avec le coin des barons. Cette petite boîte, le dévastateur, dans ce sens-là plutôt, le dévastateur de duel. Donc pour participer, c'est assez simple, vous n'avez pas grand-chose à faire. Évidemment, être abonné et laisser un petit pouce en l'air sur la vidéo pour participer, c'est plutôt cool. Et en commentaire, je vais vous demander d'aller chercher sur le site du coin des barons. Il y a quelque part sur le site, hop, je vous fais défiler un petit peu le site juste ici, au montage, si je peux m'amuser encore. Il y a une phrase, à un moment, c'est une phrase, un baron, et il y a une phrase juste en dessous. Eh bien, je vous invite à aller la chercher, la dénicher sur le site et la mettre en commentaire. Pour les petits malins qui penseraient à faire des copier-coller, on a
prévu une petite parade pour vous. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour et prendre bien la phrase qui est sur le site quand vous y allez. Pas grand chose à vous dire de plus, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit commentaire et à participer au concours de la semaine et puis au concours pour gagner le duel dévastateur. Qui du coup se passe dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous avez eu vous comme field center, sinon je suis curieux, moi j'en ai eu 4, je pense que je vais essayer de choper les 12. Donc voilà, je serais curieux de savoir ce que vous aviez eu. Cette vidéo est terminée, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collection de cartes. Et surtout à bientôt les potes, allez ciao.